qu'il y ait des questionnements sur le projet que nous portons pour le pays, sur ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un fait. Hier soir, alors que cette campagne semble signer le crépuscule de la Macronie, face aux faiblesses d'une candidate portée disparue, le président de la République n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer à la rescousse son premier porte-parole. J'ai fait face hier soir en essayant de défendre la vérité, ça n'a pas été simple, face au premier menteur de France, Monsieur Gabriel Attal.